tous, j'espère que vous allez bien, c'est Angel et aujourd'hui on se retrouve sur le Let's Play numéro 2 des Sims 3. On s'était déposé avec Angel Leon qui avait été avec un mystérieux scientifique qui voulait lui parler de ces insectes. Alors je vais peut-être... Je sais pas ce que je vais faire avec... Mais je sais pas quoi faire avec lui spécial. Je sais pas, je le laisse... Je sais pas. j'ai pas regardé qu'est-ce que je pouvais faire avec lui. Non, je peux pas. Je peux pas faire... Bon bah écoutez, ils discutent. Merde. Parce qu'en fait, voilà. J'ai l'habitude... Dans les... Voilà, besoin. J'ai l'habitude de jouer avec les codes. Oh là là, les codes. Bon voilà, j'ai l'habitude de jouer avec les codes. Bon, arrête de vous parler. Bon, bref, laisse tomber. Amusement. Elle s'amuse pas, elle va regarder la télé. Regarde la télé. Hop, là, arrête de parler, il est ennuyant. J'ai dit d'arrêter de lui parler, il est ennuyant, là. Oh. Bref. J'ai l'habitude de jouer avec les codes. Et donc, voilà, les codes. Voilà, voilà. J'ai l'habitude. Et genre Motherload, Testing Sheets, et tout le bordel quoi. Et donc, oh putain, une machine à laver toute crasseuse de la vie là. Faire la lessive. Il n'y a pas de linge sale sur le terrain. Bon, bah d'accord. Bon, arrête d'être devant la télé là. Wouh! Qu'est-ce qu'il veut faire? Il m'a dit. Attends, je vais pas regarder s'il n'y a pas un truc que je peux le bouger peut-être. Voilà, pour lui faire plaisir, je vais le bouger juste pour lui faire plaisir. Ouais. Donc, j'avais vu dans l'autre vidéo que j'avais fait, l'autre Let's Play, que j'avais vu qu'en fait. Là. Une opportunité. Qu'est-ce que c'est que l'opportunité? Elle pue la merde, l'opportunité, c'est chasseur et pêche, bref. Le mec il reste debout à parler à la télé avec la meuf. Bref, il n'y a pas de courrier. Qu'est-ce que je voulais dire à part ça? Oui, j'ai vu dans l'autre vidéo, dans l'autre Let's Play, qu'en fait il y a eu un petit problème et qu'on voyait pas le bas. C'est parce que j'ai mis en mode fenêtré et comme Fraps, quand il enregistre, en mode fenêtré, il coupe le bas. Et j'avais pas calculé, mais bon, ça gêne pas grand chose. On voyait pas juste le prix, l'argent. Donc il reste 2800, comme j'avais dit, quoi. Donc j'ai pas triché sur quoi que ce soit. Il y a des bébêtes encore. Écoutez, je vais aller les attraper parce que voilà, hein, écraser les cafards. Hein. C'est bon, tu t'es assez amusé. T'inquiète pas, tu t'es assez amusé. Alors ouais, je disais avant j'utilisais les codes et tout, et donc c'est un peu dur de revenir à l'ancienne quoi. Enfin bref, là elle est en train d'attraper des insectes. Et donc voilà. Quoi? Mais pourquoi tu peux pas? Pff, vas-y, me casse les couilles celle-là. Elle peut pas les attraper. Bref. Tiens, il y a un cafard là-bas, bien. Couap. Quoi? Viens vers là. Elle veut pas le faire, c'est tout, je crois. Les Sims, ils sont entêtés, c'est un truc de... Elle voudra pas. Non, elle voudra pas. Bon, faut pas insister, elle est un peu chiante. Voilà, ça c'est chiant. Alors, on va se faire un petit manger du brunch. Elle allait lui faire une grimace, quoi. C'est n'importe quoi ce jeu. Allez, fais un brunch. Un brunch. Tranquille, le mec s'invite chez moi. Il regarde la télé comme ça. C'est plus la merde ma télé en fait. C'est quand que tu travailles? Putain, elle s'est coupée carrément. Bref. C'est quand qu'elle travaille? Elle travaille demain.
ça va être bof bof, hein. Ça va pas être très intéressant. Bref, on avance un petit peu. Le temps qu'elle fasse son bordel là. Allez, dépêche-toi, prépare ton bordel là. Mais on s'en fout, discute pas avec lui, tu vas manger, non? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai, celle-là. Il veut danser avec moi. Attendez, attendez. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quoi? Attends, attends. C'est trop drôle. Vas-y. Ok. Ça, c'est un peu un tango. Ça, ça danse pas comme ça, mais bon. Ok, d'accord. Je pense que c'est bon. Tu peux lui dire de partir, s'il te plaît? Je le trouve un peu moche. Et tu vas éteindre cette musique de merde. Voilà. Alors, utiliser les toilettes. J'espère que tu vas pas les casser du premier coup parce qu'on sait jamais avec toi. Bref, on va pas la regarder aller aux toilettes. Et après. Tu vas. J'ai pas de bibliothèque! Et shit it! Bon, bref. On va dormir. Jusqu'à demain. Hop. Il faut acheter une table à dessin. Eh bien, on va acheter une table à dessin, mais quand on aura l'argent, parce que 2800, si ça, je dis rien. J'adore ma piste maison, elle est trop belle. Je trouve qu'elle est belle. Enfin, bref. Il y a des vêtements. Il va falloir les nettoyer après. Et on reprend à quelle heure? Que je sache. Il ressemble à ça dans la vie? Ah, c'est pas mal. Il ressemble à ça dans la vie? Ah ouais, c'est pas mal, c'est vrai. 8h. Putain, il est quelle heure là? Il est 23. Ok, 23h30. Ça va. Après, tu vas regarder la télé. Allez. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. Allez, nettoie les affaires. Mais elle va aller un petit peu plus vite, celle-là. Pourquoi elle se plaint, là? Elle est bien ici, non? Enfin, bref. Un peu, tu vas refaire le lit. Plus tard, après. Attends, j'ai même pas été dans les besoins. Je sais pas trop. J'ai du mal avec les besoins, non? Se doucher. Là, son besoin, il est bien. Hop, ça suffit largement pour son besoin. Son amusement, pardon. Elle va se laver. Hop, 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 hop. Tu vas nous prendre un repas rapide, des céréales, voilà, hop. Tu vas aller aux toilettes. Non, non, tu vas aux toilettes. Parcourir le web, tiens, ça c'est intéressant. Une petite geekette. Hop. Et jusqu'à 8h, voilà, va geeker. Jusqu'à 8h, on va parler avec des gens, ça va être bien. Attends, plus ça va vite. Allez, allez, allez. Elle est folle. Voilà. Ça va bientôt être l'heure d'aller au travail. Premier jour de travail. Voilà, voilà, voilà. Bon. Bientôt. Je crois que c'est écrit à 8h. Donc,
Je travaille, effectue la mission. Allez, on va effectuer ta mission. Alors, j'ai été renvoyée d'un studio d'art public car j'expérimentais une nouvelle méthode de peinture. Je me peignais et je me jetais ensuite sur la toile. Et c'est vrai que je manquais de précision pour atteindre ma cible. Bref, pouvez-vous me faire un joli studio d'art? Cette pièce a besoin de chevalet, siège de salle à manger, toile, tapis, sculpture. Budget 2500. Ok. Putain, une vieille rémunération. Hein. Un chevalet, une siège, une toile, un tapis, une sculpture. Ok. On y va, c'est parti. Oh. Elle l'a accepté, mais elle y va pas. Tu vas y aller. Mais c'est pas vrai. Commencer la rénovation. Elle va aller avec son beau vélo. Ah, avant, il faut que je fasse un truc. On peut pas dire que c'est mieux, bon bref. Non. Si elle prend pas son vélo, je la défonce. Oh non, elle va prendre un taxi, sa mère. Non, tu prends pas de taxi. Tu prends pas de taxi, je t'ai dit. Putain, ça me casse les couilles, ça. Ça va m'énerver, elle va pas y aller en vélo. Elle va pas y aller. Elle va pas y aller en vélo. Ah si. Putain. Ah là là. Il va y avoir du sport. On est où? Quelle est cette petite maison? Putain, plus ça. Oh putain, plus ça like. Ah merde, c'est parce que je suis en mode shopping. Ok, d'accord. Donc il voulait un chevalet, une toile, un tapis. Ok. Et où est-ce qu'il y a de la place exprès? J'aimerais bien savoir. À quoi ressemble la maison? Ouais, elle est pas mal quand même. Hein. Enfin, un petit peu petite, mais sinon elle est pas mal. Hein. C'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, je vais faire ma première mission en tant que Angel Leon. Et donc, il m'a dit... Wesh, ok. Et c'est quoi ça? Attendez. Ok. Je sais pas parce que là, je sais pas où il veut mettre son bordel là. Parce que là, je comprends rien. Un chevalet. Bah, c'est simple ce que c'est un chevalet. Je sais ce que c'est. C'est que c'est pas con. Bon, bref. Un chevalet. Alors, bureau, hop, chevalet. Hop, un chevalet. On va le mettre en noir. Attention, il en a la secouille, les cibles, ils s'en fichent de la couleur. Là, je vais reculer le max. Hop, par là, comme ça. Hop, une toile. Je vais mettre une putain de toile pas chère. Une putain de toile pas chère. Non, ça pue la merde, cette toile. Ouais, toute petite celle-là. Oh, putain, elle pue la merde. Celle-là aussi. Tiens, ça c'est bien. Alors, un tapis. Putain, elle... Un tapis. Putain, il est moche. Enfin bref. Bref. Il voulait un siège de salle à manger. Mais pourquoi? Enfin bref. Il va me dire que ça pue la merde. Que... Mais il a déjà un chevalet, sa mère! Ouh, celui-là, il va commencer à me casser les couilles. Celui-là, il va commencer à me casser les burnes. Celui-là, il va commencer à me casser les burnes. Il est sérieux, mon gars? Il est sérieux, celui-là, c'est un truc de ouf. Comment il est sérieux? Je vais le défoncer. Il a un... Ah, mais non, mais c'est pas possible!
Ainsi, du ça à manger. Ah, mais il faut un siège joli. J'aimerais que ça soit un siège joli. Putain, il pue la merde, il est trop moche. Putain, j'ai dit qu'il était trop moche. Voilà, il est... C'est pas ça un siège de salon. Merde, manger, pas salon. Putain, moi, je suis perché dans ma vie. Salon à manger. Je sais même pas vraiment ce qu'il veut. Hein. Bon bah écoute, je fous là. Et puis s'il est pas content, c'est la même chose. Et puis... Ça pue la merde ce que j'ai fait. Ça pue la merde. On doit t'attendre comme un con là. Donc. Ah bah j'ai fait un bon travail. Bah ok d'accord. Oui. Je vais prendre maintenant une petite photo. Tu peux te pousser ta tête là? Elle était bien ma photo là. Mais qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ok, tu vas rentrer chez toi je pense. Rentre chez toi! Rentre chez toi! Oh là là, putain! Voilà. Elle est en colère, dégoût. Les visions d'horreur repoussantes. Nourriture dégoûtante. Ah! J'ai oublié de nettoyer. Putain, mais t'es conne, hein? Nettoie un peu, non? Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Et puis tu vas enlever le truc de... Voilà, mettre les vêtements sur la corde à linge. Oui, c'est un nouveau d'ambition. Vous pouvez mettre les vêtements sur la corde à linge. Ça apporte pas grand-chose, mais c'est déjà bien. Enfin bref, je vais faire... Je voulais acheter... Elle voulait acheter un... Un quoi? Elle voulait acheter une table à dessin. Déjà, il faut de la place pour la mettre, ta table à dessin. Table à dessin... Ça coûte la peau du cul ton bordel là. Je sais même pas où le mettre. Je sais même pas où le mettre. Théma, je sais pas où le mettre. Alors. Ça, je vais peut-être le bouger quelque part. Mais merde. Hop. Est-ce que ça fait beau? Parce qu'on sait jamais, je vais regarder. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Ah, j'aurais toujours pas de place pour mettre ça. Hein. Ça va pas rentrer, ça. Oui, ça va pas rentrer. Faut que je rajoute toute ma maison pour ces conneries-là. Putain, c'est pas vrai. On s'en fout de ça. Hop. Alors, putain, en plus il faut des chaises qui coûtent la peau des fesses, sa mère. Est-ce qu'ils font une chaise devant? Bah, je vais regarder. Je sais pas du tout. C'est un tabouret qu'il faut, d'accord, ok. Moi j'ai mis une chaise. C'est pas bon. Un tabouret. Mais où on trouve ça? Ah bah tabouret. Ok. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai de la place pour pas... Ouais, ça peut le faire. J'ai de la place quand même pour passer, ça va.
Ah bah tu vas nous faire un macaroni au fromage et tu vas dormir. Allez, on s'en fiche. Allez, allez. Fais-nous des macaronis. Après tu vas te doucher. Ah non, 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 non. Tu vas aller faire pipi. Tu vas te doucher. Et après tu vas dormir. Oh punaise. Elle a failli brûler la maison. Elle a failli brûler la maison de tes mains. Dépêche-toi. Allez, mange, 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 mange. Dépêche-toi de manger. Voilà. Elle voudrait préparer un plat. D'accord, ok. Prendre un cours de bricolage, t'es mort. Alors, cette nuit. Cuisson inégale. Au moins une partie chaude était bien cuite, n'est-ce pas? Douche froide. Quoi? Elle a passé une douche de mauvaise qualité. Ok. Bon bah écoute. Elle est pas contente parce qu'elle a passé une douche de mauvaise qualité. Ah non, on va apprendre plein de compétences. Je vais enlever les compétences de bricolage parce que comme c'est une architecte, on va pas... Préparer ce plat macaroni au fromage. Pourquoi tu vas nous refaire des macaronis au fromage? C'est pas grave, on s'en fiche, c'est bien. Écoute. Finesse, c'est quand que c'est fini là? Bref. Bref, bref. Qu'est-ce qu'il y a comme belle opportunité? Putain, elle habite vraiment à Pétaouchnok. Elle habite à Pétaouchnok, la meuf. Elle habite à 46 km de la truc, quoi. Oh là là, c'est n'importe quoi. Je voulais aussi dire, parce que là, je suis dans mes Sims, je voulais aussi dire que je suis super contente que j'ai eu 16 abonnés et je suis trop fière. J'ai des projets qui vont commencer à arriver, ça va être sympathique comme tout. Je suis vraiment très très contente de ce qui m'arrive et je vous remercie beaucoup. Si vous avez vu, j'ai changé le background de ma chaîne YouTube et j'ai changé aussi mon image perso. Bref, en tout cas, je crois que je vais vous laisser sur la préparation d'un macaroni au fromage. Et puis, on se retrouve pour un let's play numéro 3. Puis à partir de let's play numéro 5 ou 6, j'essaierai de trouver un nouvel additionnel des Sims pour pimenter la vie de Angel Leon. Bref, je vous dis à plus tard les amis et puis salut.